Puis à Montréal, un policier a ouvert le feu sur un présumé voleur de véhicule en fin de journée. Kevin Crane démarrait sur place. Kevin, vous avez obtenu des images de cette intervention policière aujourd'hui. Oui, et on sent bien la dangerosité de l'événement. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je suis présentement sur Saint-Jacques, au coin de Giroir. C'est survenu cet après-midi. Voici quelques images en direct. Je suis présentement dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. On voit plus loin le véhicule suspect qui a happé la façade de cet édifice résidentiel. Les policiers auraient reçu un appel vers 16h30 en lien avec un vol de véhicule. Le conducteur de ce VUS aurait foncé vers les policiers. Selon nos informations, un policier aurait fait feu et un suspect a été atteint par balle. Il a été blessé gravement, mais il est dans un état stable à l'hôpital. On ne sait pas s'il s'agit d'un mineur. Voici la suite avec ces images que j'ai obtenues. Vous entendez, hein, le policier ordonner à l'homme de reculer, de se mettre à genoux avant d'être menotté. On voit aussi un autre individu qui a été arrêté. On ne sait pas si l'un des deux sont liés au vol. Il y avait des policiers en uniforme et d'autres en civil avec leur arme à la main. C'est survenu, Pierre-Olivier, juste à côté d'une garderie. Il y avait plusieurs enfants à l'intérieur. Un événement qui a inquiété les éducatrices et de nombreux parents. On peut entendre une mère. Tout le monde avait entendu les sons. C'est terrifiant. J'ai vu une madame qui était en train de courir pour ses enfants au parc. Votre fille a vu ça, a été témoin? Non, non, grâce à Dieu, non. C'était devant la pouponnière. Et présentement, là, à quelques rues d'ici, il y a une autre scène policière. Il pourrait s'agir d'un deuxième véhicule suspect. On pourrait en voir plus de détails prochainement. Présentement, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes qui mène l'enquête, là, qui est survenue ici afin de déterminer pourquoi le policier a fait feu. Et il y a aussi la Sûreté du Québec qui mène l'enquête sur qu'est-ce qui a précédé l'événement ici sur Saint-Jacques. Merci, Kevin, pour ces détails. Au revoir.